Dans cette vidéo, on va faire une leçon de production écrite et je vais prendre comme titre « Écrire une fable ». Et avant de commencer, je vais poser une question. Qu'est-ce qu'une fable ? La fable est une histoire imaginaire en vers dont le but est d'illustrer une moralité. La fable a souvent pour héros des animaux, chargés alors de représenter des êtres humains. On appelle l'auteur d'une fable un fabuliste. Qui ne connaît pas le célèbre fabuliste Jean de La Fontaine, qui a marqué l'histoire par ses fables. Maintenant, je vais poser la question. Comment écrire une fable? D'abord, on doit préparer un schéma narratif. Et comme première étape, c'est la situation initiale, où on va parler du lieu, du temps, des personnages, et de leur situation. Après, il y a le problème, la solution et la moralité. Et pour écrire une nouvelle fable, je dois chercher la morale sur quoi on va se baser. Et on peut choisir une morale qui est déjà connue. Après, on doit chercher pour la fable un problème qu'on va résoudre à la fin. Ensuite, on doit penser au cadre de cette fable. Ça veut dire le lieu où elle va se dérouler. Et aussi au temps. Quand est-ce qu'elle va se dérouler? Et le plus important, on doit penser aux personnages qu'on va choisir, qui doivent être des animaux ou des insectes. Et on arrive à la solution du problème. On doit trouver la solution pour résoudre le problème de l'histoire, pour donner la valeur de la morale choisie. Et on va prendre comme exemple le schéma narratif de la célèbre fable « Le corbeau et le renard ». Le corbeau perché sur un arbre tient en son bec un fromage. Le renard est attiré par son odeur. Le renard commence à le flatter en lui disant qu'il est le phénix des bois. Le corbeau est flatté. Il a commencé à chanter. Il a laissé tomber le fromage. La morale, on doit se méfier des gens qui nous flattent. Et à la fin, on va passer à la phase de la rédaction. On doit commencer par la situation initiale, après le problème, après la solution, comment on va résoudre ce problème et la morale obtenue. On ne doit pas oublier que les vers de la fable doivent rimer et une majuscule à chaque début de ligne. À bientôt et à la prochaine vidéo.